Oui, allô ? Bonjour, Madame Leroy. Sylvain, conseiller commercial de chez Citroën Grenelle. Je vous appelle au sujet du véhicule que vous avez récemment configuré sur Citroën.fr. Parlez-moi un peu plus de votre projet, je vous prie. Ah oui, bien sûr, oui. Alors, effectivement, je cherche à remplacer mon véhicule actuel par le nouveau C5 Aircross hybride. Envisagez-vous de venir en concession ? Ah oui, si vous êtes ouvert en ce moment, bien sûr, oui. Sachez que si vous ne souhaitez pas vous déplacer, nous pouvons bien sûr tout gérer à distance ensemble. Mais nous aurions plaisir à vous accueillir en concession dans les meilleures conditions sanitaires liées au Covid-19, en appliquant nos procédures de protection et de sécurité maximale. Vous pourrez ainsi choisir votre véhicule dans les meilleures conditions. Celui-ci sera totalement désinfecté, puis fermé à clé jusqu'à votre visite, pour que vous puissiez le découvrir et vous y installer en toute sécurité. Et c'est possible d'essayer le véhicule ? Je peux vous proposer un essai qui se fera accompagner de l'un de nos conseillers commerciaux, en suivant un protocole sanitaire strict. Vous vous installerez à bord d'un véhicule, encore une fois totalement désinfecté. Le conseiller qui vous accompagnera s'installera sur la banquette arrière, en diagonale, et la fenêtre restera entrouverte pour que l'habitacle soit aéré. Si vous n'avez pas de masque, nous vous en fournirons un. Nous pouvons également assurer la reprise de votre véhicule actuel. Ah oui, ce serait bien, oui. Mais écoutez, c'est parfait. Ça répond exactement à mes attentes. Pour la livraison finale, j'imagine que vous suivez le même protocole sanitaire ? Effectivement, vous prendrez possession de votre véhicule en concession avec la mise en œuvre des mesures sanitaires afin de sécuriser la livraison de votre véhicule. Votre véhicule est prêt. Tout a été fait pour sécuriser sa livraison. L'habitacle a été entièrement désinfecté. Personne n'y a touché depuis. C'est parfait. J'ai vu que vous vous proposiez une livraison à domicile, mais j'ai préféré me déplacer.